Ce soir, direction São Paulo au Brésil. Oui, on va essayer de faire une course aussi bien que les dernières. Ouais. Bon, bah, je vois que t'as... Il me semble qu'il y a 15 jours, tu as bu le champagne à Mexico City, c'est ça? Bah, disons que finalement, on va finir par avoir des problèmes d'alcoolémie parce que à chaque Grand Prix, pour l'instant, on fait podium sur cette fin de saison. Alors ça, c'est plutôt de bon augure peut-être pour les propositions de contrat en fin de saison. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que la As, en tout cas, elle a un petit regain de performance en cette fin de saison, et ça, c'est vraiment sympa. Ouais, d'autant qu'il me semble que tu as fait une dernière amélioration comme je te l'avais demandé, et après ça, on arrête le développement pour économiser des points pour la saison prochaine. Tout à fait. Donc, c'est ce qui est en train d'être affiché d'ailleurs sur l'écran, hein, c'est qu'on a donc amélioration Ah bah ça tombe très bien. de la structure du museau. Donc amélioration poids du châssis, moins 5 kg, hein, donc on passe en niveau 3 sur 5. Et donc voilà, on va pouvoir attaquer cette séance d'essais libres. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques lags, je suis un peu inquiet. J'espère que ça va le faire. Alors, les petites consignes de sécurité de notre chère Emma. Je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Alors, bah, comme d'habitude, qualifiez-vous. Ah non, pas comme d'habitude. Qualifiez-vous deuxième place ou mieux, hein, car rien que ça. Assurez-vous de faire mieux que votre rival Max Verstappen ou et devancer Romain Grosjean. Bon. Sachant que Grosjean est en forme, Ouais, je sais pas trop autrement ce que dit, ça va devant de la donner. première ligne. Ouais, alors du coup, ça va compter comment l'histoire? Parce que sachant qu'il y a déjà Rosberg qui a une pénalité de 5 places sur la grille. C'est l'heure des qualifications Ah ici bah à t'as tes chances hein, Interlagos sur le avec circuit justement d'autodrome Rosberg qui en José a Carlos pris Pacé. 5. Les équipes ont terminé leurs préparatifs. Bon, et Alors ben, essayez de signer un bon chrono dès le début, histoire je sais d'économiser pas tes si je leur pneus. laisserai pas faire la trace un peu là, parce que la pluie elle va se calmer dans 10 minutes. Si on tentait quand la pluie se sera calmée. Tu peux laisser filer la moitié du temps, puis tu sors, tu fais un tour de reconnaissance, comment dire, en pneu slick, et puis tu verras bien. Bon, on va tenter, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. La pluie s'est arrêtée, la piste elle risque d'être encore un peu humide, mais on va essayer quand même Angel, pneu c'est sec. sec, Angel, stop. Ouais. Tu peux y aller là. Ouais, pas de souci. On va prendre le train de pneu soft et on verra bien ce que ça donne. Alors, Drakeina, qui parles-tu? Ah putain, j'avais mis les pneus. Pff, bon, bref. Il me semblait avoir pourtant sélectionné les pneus soft. Et pourtant, tu peux mettre les pneus slick, hein. Ouais. Enfin, tu pouvais pas changer les pneus à cause du parc fermé. Bah, c'est bizarre, pourtant tu peux changer. Ah oui, parce qu'il n'y a que les pneus et les ailerons que tu peux changer. Ah, c'est pas Cédric qui est avec moi là sur le chat, hein, sur le TeamSpeak, c'est Cyril Roge, qui nous fait les réglages, les setups et les conseils, les précieux conseils pour chaque Grand Prix. Eh oui, je me dénonce, hein, c'est moi l'ingénieur de piste d'Angèle. Hein. Ingénieur non officiel. Non rémunéré, juste à coup de fouet. C'est pas très marrant une piste qui s'assèche avec les intermédiaires. Ils sont chiants. Hein. Mais Ouais. il faut que moins je mette un chrono parce que sinon je risque d'avoir des problèmes avec les qualifs. On va demander à Lewis Hamilton 10 ans en arrière. Ça lui a fait tout drôle ce jour-là, à Shanghai.
Oh putain, c'est vraiment pénible. Ils ont activé le DRS, ce qui veut dire que maintenant on est vraiment dans des conditions sèches et que là les intermédiaires sont vraiment plus les pneus adaptés. Dave Drake, ben, il va bien, merci. Il dort. Alors, Rocket League vendredi soir. Je sais pas si vendredi soir je vais faire du jeu ou pas encore. C'est passé un petit peu de temps avec madame aussi, hein. Faut pas exagérer. Hein. Parce que déjà je serai en live samedi et dimanche. Salut à 3644. Ouais, ça fait plaisir. Ah mais complètement Valentin, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ça apporte une touche de RP et non seulement ça, Cyril apporte sa science sur les courses. Et ce qui est pas négligeable du tout. Bon, ok Angel, encore 2 minutes 45 et quelques, donc tu peux faire une tentative en pneu soft. T'as peur que ça se passe mal? Faut déjà voir si tous les pilotes ressortent avec des slicks. Ça semble être le cas. J'ai vu une Ferrari qui ressortait avec les slicks, mais j'ai pas vu laquelle c'était. Putain, ils font chier. Donc je pense qu'il faudrait jouer la sécurité là-dessus, pas jouer aux apprentis sorciers. Je vais jamais y arriver. Notre meilleur tour jusqu'ici est de 1,25,7. Ouais. Apparemment, Valentin confirme également sur le chat. J'ai peur qu'on n'y arrive pas. Ouais, trop tard. On s'est fait baiser. Mère. Crody. Bravo. On s'est bien fait baiser la gueule. Parce que j'ai vu le chrono quand on est rentré dans les stands et je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, ça rentrera pas, on va pas y arriver. Et bah ça a pas loupé. Ça a pas loupé parce que bah, je pense qu'il manquait pas grand chose. Mais dans tous les cas, je pense qu'on s'est fait, pour beaucoup, on s'est fait niquer, enfin on s'est fait piéger, pardon. Parce que regardez qui s'est fait dégager des essais, enfin des qualifs. On a donc Grosjean qui a fait 13ème là. Nous on a 16ème place, Lewis Hamilton 15ème. On a dans les éliminés Vettel, Verstappen, Ricciardo. Ouais, on est voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la... quand on a des Wehrlein, Arianto 6e et 7e, voilà quoi. Fernando Alonso qui signe le meilleur temps. Bon. Ouais, toi, tu vois, Rosberg, il prend 5 places de pénalité, mais il va se qualifier quand même en Q2. Si le règlement était bien foutu, normalement Rosberg aurait dû être éliminé. Ah oui, c'est vrai, putain, mais je suis con, hein, j'ai mal calculé. Mais en fait, on est passé extrémiste à se faire sortir de DQ1. Hein. Donc, fou. Eh ben, non, Hydro, t'inquiète. T'inquiète, Hydro, c'est moi qui ai mal compté. C'est moi qui ai mal compté, effectivement. Mais non. Parce que Rosberg, il a pris 5 places. Bon allez, on va aller tout de suite mettre un chrono. Putain, j'ai vraiment eu peur. Hein. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, les qualifs, elles sont terminées. Allez, merci, au revoir. On va remercier Rosberg. Hein.
Ouais, je sais pas ce qu'il a foutu pour prendre une pénalité en tout cas, mais bon, c'est sûr que pour le coup, ça nous a bien arrangé. C'est clair. Bon bah là, tu peux y aller avec les softs de toute façon, vu qu'on démarrera la course sous la pluie et la forte pluie même. Mais c'est là que, avec les conditions météo changeantes, on dit et on le répète, surtout pas jouer la montre et aux apprentis sorciers. Hein. Parce qu'à la fin, ça finit toujours par se retourner contre toi. Ah putain, Magnussen. Ah, et puis en plus, il te gêne dans la partie sinueuse du tracé. Et c'est quasiment impossible de s'en défaire. Et, ouais, là, ton tour, il est naze. Là. Préparer un deuxième tour rapide. Là. Parce qu'en plus, il doit être dans son tour de sortie. Ouais, voilà, ça c'est bien négocié, les S de Senna et la courbe dorsale. Ah ouais, Valentin, hein, effectivement, mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ce règlement par rapport aux places de pénalité, il était un peu mal foutu, parce que normalement, si on fait bien les choses, tu prends 5 places de pénalité, bah tu te fais éliminer, et Rosberg, normalement, il doit être déjà éliminé. Ouais, bah écoute, The Phenom, on en a parlé déjà avec Angel, mais je pense que pour la saison prochaine, hein, je pense que tu seras pas contre, Angel, mais ce qui est de l'augmentation d'un cran du niveau de difficulté. Oui, bien sûr, oui. Non, mais dans la mesure où surtout la voiture elle a évolué et qu'on est avec une voiture qui est moins galère à conduire, si toutefois je restais chez As, ce qui n'est pas encore fait. J'espère toujours passer dans l'écurie toute de rouge vêtue, n'est-ce pas? Ou la Red Bull, peu importe, ou l'une ou l'autre. Donc, c'est avec une voiture plus costaud et surtout des voitures qui ont évolué, oui, bien sûr, évidemment que la difficulté on va l'augmenter. Ouais, on passe. C'est vrai qu'en cette fin de saison, c'est un petit peu le. Un cran au-dessus en niveau mètre. C'est sûr que là pour le coup c'est un petit peu la promenade de santé. C'est le but déjà, c'est que enfin, moi je me sens pas frustré quand je suis sur le jeu, parce que c'est vrai que quand on galère tout le temps c'est pas forcément très plaisant. Ah, tout le monde voudrait la conduire à la Mercedes, hein. Bah bien sûr, oui, mais après il y a plus grand intérêt, parce que la Mercedes est quand même la plus grosse bagnole du plateau. Notez quand même que malgré l'histoire de la difficulté, les As, il y a quand même un regain de performance qui est démontrable sur les chronos. Regardez Grosjean qui est deuxième, hein. Et c'est l'IA, c'est pas moi. Hein. Alors, bah, juste pour répondre sur les pénalités qui vas-y, sont après je répondrai à ce phénomène. Et pas pendant. C'est justement pour ça que ce serait peut-être un point du règlement qui devrait changer, parce que quand même, ça fausse quand même beaucoup le cours des qualifications quand même.
Alors The Phenom, oui, je vais installer les mods de la saison 2017 sur ma prochaine saison, bien évidemment. On notera aussi que Grosjean avait le record dans le troisième secteur. Bah, il l'a plus d'un coup, tiens, c'est bizarre ça. Ah si, ah, c'est Rosberg maintenant qui l'a. Et toi, tu as les secteurs 1 et 2. Bon voilà, les qualifs sont. Enfin, les qualifs sont terminés. Q2 est terminé, on va passer à Q3. Q3 avec des grosses attentes de l'écurie, hein, qui veulent que je fasse la première ligne. Les attentes sont plutôt justifiées au vu des performances réalisées au cours des derniers Grands Prix. Allez, c'est parti, on plonge dans les S de Senna. On aborde la Curva do Sol, ce grand virage à gauche. On attaque la Retta Opposta. On plonge dans ce freinage à gauche. On arrive dans une ligne droite là qui mène un grand virage à droite de Ferradura. Bien négocié au passage par Angel. Là on arrive dans le secteur sinueux avec le virage à gauche de Pinheiro. On arrive ici au Bico do Pato. Mergulho. Enfin, la Junsao avec un chrono de 56 secondes 828, il me semble, pour le deuxième secteur. Et ça fait un meilleur tour en 1.14.288. C'est pas mal joué, Angel. Un bon tour. Excellent, Dave Drake, avec un jet 27 à la main. Oui. Oui, c'est ça. Un bon jet 27 des familles, ça serait bon ça. Ah bah, de toute façon, les voitures aujourd'hui, elles sont tellement faciles à conduire que on peut effectivement du moins se poser la question. Oui, bien sûr, Valentin. Nico, il partira pas plus loin que sixième, donc au final, ça nous arrange. Et pour Angel, bah, ça ne fera qu'augmenter ses chances d'atteindre les objectifs de première ligne fixés par l'écurie. Ouais, The Phenom, c'est pour le fun, hein. Mais je pense que la saison prochaine, les compteurs seront remis à zéro. Allez, on va ramener la voiture au bercail. On va pouvoir un petit peu analyser les chronos secteur par secteur. Donc, sachant qu'il n'y a que Lewis et puis Romain qui peuvent te menacer.
Si Mercedes me propose, j'accepte. Bah oui, pourquoi pas. Bah, comment dire, Mais une c'est offre de pas. Mercedes, difficile à refuser, hein. Ah bah et carrément, hein. Mais ce serait pas mon kiff le plus ultime. Ah bah Draken, j'arrive. Chouffe le G27. Ah bah là, effectivement, avec une Mercedes, tu peux, hein, il n'y a pas de problème. Au KLM, hein, comme dit des pieds. Allez, on branche les couvertures chauffantes et puis on va regarder la session, les chronos notamment. Bon, on a pris tous les records, hein. La grille pour la course Et numéro voilà, 1 est la maintenant établie. qualif est Ce tour numéro terminée. 1 Alors on verra Pierre partira en Gasly pole, et As, première pole de la Rosberg et saison. Lewis Hamilton. Devant Le Lewis numéro Hamilton et 1 va Grosjean qui rester au partira du premier. coup troisième puisque Nico partira à la septième place. Du coup, après on a Bottas, Raikkonen, Perez, Alonso, Sainz. Et c'est vrai qu'il y a des grands absents qui ont été piégés dans Q1. Ça risque de faire du grabuge en fond de grille. Ouais. Et puis attention au départ sous la forte pluie là parce que tu seras sur des œufs. Donc quand le tour de formation va commencer, évidemment tu feras bien chauffer tes pneus et tes freins à température, mais il faudra que tu prennes aussi le temps de bien mémoriser toutes les flaques d'eau qu'il y a sur la piste. Et de voir quelles sont les trajectoires qui sont les moins comment dire les moins humides, en sachant que sur le comment dire sur le, une piste humide, il faut plus privilégier les trajectoires extérieures parce que si tu veux, c'est les trajectoires où il y a le moins d'eau et donc le plus d'adhérence. Ouais, on essaiera de faire au mieux. Merci Cookex pour ton commentaire. Et d'ailleurs, je refais un petit piqûre de rappel, hein, je le mettrai sur les réseaux sociaux, mais samedi soir, je vous donne rendez-vous pour un live sur un petit let's play. On va commencer ensemble l'aventure Mass Effect Andromeda. Donc je vous donne vraiment rendez-vous samedi soir en live sur ma chaîne pour de la découverte et puis le début du mode histoire de Mass Effect Andromeda. Et dimanche soir, toujours sur ma chaîne, pour le débrief du Grand Prix en compagnie de Jeff et Depielo, et puis nous aurons aussi la présence de Hydro, si tout se passe bien. Allez, on part pour la course. On va encore essayer de sabrer le champagne. On va essayer, hein. On va laisser les commentateurs représenter. Entre autres. Oh, quel temps de merde. Victoire décisive, des illusions, triomphe à domicile, l'autodromo José Carlos Pacé vous propose tout ça et bien plus encore. Là, c'est complètement inondé, hein. Car la course se fait dans le sens anti-horaire. Et si les Paulistanos se pressent dans les tribunes situées aux 15 virages de ce circuit incontournable de 4,3 km. Deux portions très rapides encadrent le secteur 2, très technique, et une bonne sortie du Zhongkao dans l'une des deux zones de DRS offrira une bonne possibilité de dépassement. Avec tout ce beau monde sur la grille, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça risque de se bousculer dans le virage 1 cet après-midi, Nicolas Martin. C'est vrai que ça arrive souvent ici à Interlagos. C'est une zone de freinage délicate, bien sûr, car on arrive en descente sur le Senna S et il est facile de bloquer la roue avant en intérieur de virage et de sortir de piste. Souvent vu un pilote partir avec le groupe de tête, sortir au premier tour et devoir remonter. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de combats de championnat passionnants ici. On espère bien sûr que le départ se fera sans heurts, mais je ne serais pas surpris que ce ne soit pas le cas. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'avec un départ sous la flotte comme ça, à mon avis. Tu me montreras bien comment dire l'écran là avec le menu de la stratégie, parce qu'il faut qu'on. Il faut que j'évalue, si tu veux, à quel moment il faudra passer en inter. Alors la strat,
Par défaut, ils nous ont fait une strat avec un seul arrêt. Full wet, jusqu'au 18e tour. 18e tour, on remet des full wet pour aller jusqu'au bout. Sachant que D'accord. la forte pluie va s'arrêter assez rapidement pour laisser place à quelques gouttes, puis finalement un temps qui va s'assécher. À mon avis, Ah, la on peut. piste va s'assécher. Et attends, 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 je suis en train de. Je viens seulement d'avoir le. Comment dire, le graphique, puisque il y a un petit décalage. Effectivement. Donc, attends, attends. Tu veux bien me laisser réfléchir 30 secondes, s'il te plaît, Angèle? Fais donc. Comment dire? Alors, Attends, Mac attends, Gaming, le attends. prochain GP, bah écoute, il va avoir lieu maintenant, le GP. Alors, dis-moi si je me trompe, Angel, mais la pluie devrait cesser vers le 12e tour, si Ouais, je ça lis bien ressemble à sur le ça. graphique. Ça C'est ressemble ça? à ça. Ah, le problème, c'est que c'est pas l'idéal de démarrer avec comment dire les foulouettes. Donc je me pose la question, est-ce que, tu sais, on se ferait pas une Hamilton, tu sais, comme à Monaco? C'est-à-dire que, comment dire, à peu près vers le 10e ou 11e tour, au lieu de s'arrêter, de mettre des inters, on s'arrête et on passe directement au slick. Ça serait un pari un peu risqué, hein. Mais je pense que le jeu peut-être en vaudrait la chandelle. Ouais, pourquoi Hein? pas, ouais. Bah écoute, on avise pendant la course. Donc, si tu vois que ça va pas avec les. Comment dire, si on peut pas faire ce genre de choses-là, ben, si tu vois que c'est trop compliqué après de rouler sur une piste asséchante avec très peu d'eau, avec des pneus de pluie, ben, on passera les inters, mais. Les inters, quand ça fait 12 là, donc elle s'arrête au 12e. La pluie, à peu près vers le 5e ou 6e tour, je pense, va commencer à diminuer. Ouais, bah finalement, c'est on peut tenter, on peut tenter. Donc, mais il faudra faire attention, il va falloir que tu serres un petit peu les dents parce que là, sur cette première partie de course, tu risques d'être sur des œufs. Ouais. Bon, écoute, on avise en fonction. Ouais. Et on verra après quel type de pneus. Par contre, là, pour les pneus secs, tu serais partant en pour quel type de gomme à peu près là? Les médiums, les médiums et les softs. Ouais. Bah, dans ce cas. Alors j'espère que chez vous le live ne rame pas trop parce que là quand il pleut je sais que c'est terrible. Et en plus de ça, comme dans les conditions réelles, on n'y voit pas grand-chose. Alors oui c'est bien ce que je craignais hein. Donc effectivement vous avez des lags à cause de la pluie. Je vous en supplie restez. La pluie va s'arrêter, on aura une météo plus sèche par la suite et du coup moins de lags. C'est terrible, hein, ces lags. Et pourtant, le jeu au niveau des graphismes n'est pas à fond. Hein. Et j'ai pas une carte graphique qui pourtant est vilaine, donc je comprends pas bien. Mais enfin bon. Vive la pluie! Viva Achuva, comme on dit ici. Attends, sur mon PC, ça ne lague pas du tout. Ok, donc au départ, Angel, tu essaieras surtout de prendre l'extérieur, puis dans le premier gauche DS de Senna, puis l'intérieur. Et surtout, comment dire, ne va pas sur les vibreurs, parce que sous la pluie, ils sont très glissants. À fait.
du tour numéro 12 et que la pluie allait commencer à s'arrêter. Voilà, c'est la cata complète hein, cette course. Je peux pas. Alors la rediff que je mettrai sur la chaîne, bien évidemment, je ferai un montage hein, avant, je vais pas la relaisser brute comme elle est, parce que là, sinon vous allez vous taper 3 heures de vidéo pour rien. Je ferai un montage et je raccourcirai un petit peu les événements. Désolé si j'ai fait une erreur, mais au début je pensais que c'était à ce tour-là que ça allait... La piste allait s'assécher. Donc je me suis aperçu que c'était, ce serait, comment dire, que la pluie, comment dire, durerait plus longtemps. Ça arrive, hein, c'est pas grave. On a la chance de pouvoir recommencer, pas comme dans la vraie vie. Bon, normalement, peut-être au bout de 6 ou 7 tours, si ça s'améliore, on devrait passer en inter cette fois-ci. Pas deux fois la même erreur. Alors, il connaît nos stands. J'aimerais savoir en quoi il va ressortir. Inter. Il fait l'undercut. Pourquoi pas? Il y a du monde dans les stands. Ok, Angel. Romain, il est toujours devant toi. Ouais. Donc c'est lui qui va avoir la priorité pour s'arrêter. Malheureusement, oui. C'est-à-dire que si lui il rentre en premier, tu vas devoir continuer un tour de plus. Donc essaye de rattraper Valtteri et Romain dans la partie sinueuse. Je pense que Romain va sans doute s'arrêter à la fin de ce tour. La pluie diminue en intensité. Bah visuellement ça a pas l'air hein, mais bon. Bah, ce qui me fait peur Angel, c'est que les inters ont l'air de mieux fonctionner que les foulouettes dans ces conditions. Hein. Je suis pas en mélange 3, qu'est-ce qu'il me raconte? Romain continue, c'est ça? Ouais.
pas eu le réflexe de sauter dans la ligne des stands. Eh ouais, je suis pas en mélange 3, qu'est-ce qu'il me dit ce con? Donne-toi un petit peu de marge par rapport à Romain. Il faut voir s'il va s'arrêter ou pas. Donc pour l'instant là tu. Comment dire les inters c'est pas la bonne idée là. C'est pas le moment. Si si on va y aller là. On y va? Ouais. Ok bah écoute, on y va si Romain. Romain rentre pas, j'y vais. Ok. Parce que là, moi, ces pneus pluie, j'en peux plus. Allez, on y va. Il rentre pas. C'est bon, vas-y. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Parce que si jamais les inters fonctionnent mieux dans ces conditions... Ça veut dire que Pirelli peuvent aller se rhabiller. Attention dans les premiers tours avec ces pneus-là. Tu restes sur les parties sèches, Angel. Reste bien sur les extérieurs de la piste. Hein. Que ça va mieux avec les inters là? Ouais, c'est un peu mieux, ouais. C'est extraordinaire quoi, dans ces conditions de voir que les pneus intermédiaires marchent mieux que les pneus pluie, quoi. C'est-à-dire que Pirelli ne sont même pas foutus de concevoir des pneus pluie performants qui marchent dans ces conditions. Que veux-tu? Ils ont été abonnés aux courses au safety car, c'est pas possible. Romain dans les stands. Ok. Tu vas avoir un avantage sur lui, c'est que tu as des pneus déjà en température. Avec une piste qui va s'assécher.
Ok, il est juste devant toi. Donc rappelle-toi bien que le but du jeu, ça sera de faire tenir ses pneumatiques jusqu'à l'assèchement de la piste. Voilà. Ressors bien de la Junsao et tu l'attaques ouest de Senna. Super boulot, tu viens de signer le meilleur temps. C'est pas trop loin de lui, bien sûr. Ouais, bien joué. C'est bien ce que je pensais, tes températures de pneus sont très bonnes. Là, ne monte pas trop non plus sur les vibreurs, c'est encore glissant. Hein. On voit qu'il y a moins de pluie, Angel, tu confirmes? Ouais, je confirme. Je peux accélérer beaucoup plus tôt et beaucoup plus fort par endroit. Je pense qu'entre le 15e et le 20e tour, on pourra passer les... Comment dire... les slicks. Attention quand même de bien doser ton accélérateur en sortie de virage. Ok, t'as une idée de l'écart avec Valtteri? On va bientôt le savoir, je pourrais te dire ça. T'as gagné 2 secondes sur ton deuxième inter. Il est 4 secondes 6 devant. Bon, je pense que là où tu peux lui reprendre du temps, c'est dans le deuxième partiel. Je pense qu'on va être en bagarre avec lui pour la fin de la course. Jusqu'à la fin, on sera en bagarre avec lui. Il n'y a qu'au jeu des stratégies, on peut éventuellement lui passer devant. Et ce qui est marrant, c'est que la qualité du live s'améliore en même temps que les conditions de piste. Ouais, c'est ouf.
Il faudra qu'on soit les premiers, Angel, à vouloir mettre les slips. Ouais. Donc, il faudra que tu me tiennes informé en, comment dire, en temps réel de l'évolution de la piste. Parce que je vais en avoir besoin pour déterminer quand passer les slips. Très bien, continue, tu gagnes du temps là dans le deuxième partiel sur Bottas. Attention Angel, là, doucement. Ouais, dans la remontée, la réaccélération est encore délicate. Ouais, il y a pas mal d'eau, il y a beaucoup d'eau stagnante à cet endroit, donc fais très attention. L'écart est toujours stable avec Bottas. Ouais, pour l'instant, ouais. Tout va bien pour ta consommation en fait. Ouais, ça va. Je dois être à plus quelque chose. Alors l'ordinateur me dit que ça craint pour l'essence, mais... Ah si, je suis en standard et je suis à moins 0,13 tours. Enfin, je me mets en pauvre pour économiser de l'essence. Ouais, alors ce que tu peux faire, tu peux te mettre en pauvre pour négocier les virages. Et remettre en standard dans les lignes droites. Je te conseille de négocier le secteur 1 en pauvre. Elle m'a saoulé cette pluie là. T'es repassé en positif là.
Ouais, j'ai remis le mélange standard parce que il y a Grosjean qui est repassé. Ouais, j'ai vu effectivement. Parce que tu t'es mélangé les pinceaux entre les deux types de mélange. Par contre, Grosjean, il a beaucoup plus de mal dans le secteur 2. Et puis Angel Rebelote pour les S de Senna. Parfait. En plus, il n'a pas opposé de résistance. Conditions de piste, Angel, ça donne quoi? Toujours humide, il tombe des gouttes encore. Hein. Encore trop tôt pour les slicks? Ah oui. Il faudra attendre encore au moins 5 bons tours avant de tenter ce pari. Oh, le soleil. Attention à l'état de tes pneus à l'avant. Hein. 33% et 36%, donc... Faut y aller en souplesse au niveau de la conduite. Doucement dans la remontée, Angel, doucement. Ça passe pas encore à fond. Je dirais que c'est en train de s'améliorer, Angel. Ouais, mais il y a des flaques par moment et je me fais surprendre comme un débutant. Là. Reste très concentré. Est de 0,9 secondes.
Ça rentre au stand. Alors, qu'est-ce que ça met? Je vois pas par contre. Mais je serais assez tenté de rentrer et mettre les slicks. Ouais. C'est aussi mon avis. Tu vois la piste de plus en plus rapide? Ouais. Ok, alors faut faire un choix, Angel. Soit on met les médiums et on finit avec les softs. Soit on met les durs et on est certain d'aller au bout de la course. On va voir si Romain s'arrête pas avant nous. Ah ouais. Alors tu peux tenter les slips. Je vais te laisser le choix des gommes. Hein. Je t'ai expliqué. Si tu mets les durs, tu vas au bout. Si tu mets les médiums, tu seras obligé de faire un dernier arrêt, mettre les softs et finir en mode qualif. Allez, en espérant qu'on va se faire une Ayrton Senna comme en 93. J'espère que je vais pas trop souffrir. Je crois qu'on est dans les premiers à passer les slicks. Bonsoir JL Racing. Salut JL. Bah, ça a l'air d'être plutôt un bon choix, Angel. Ouais, ça va. Bon, attention tout de même, là pour l'instant, t'es en pneu froid. Il y a encore quelques petites flaques sur les extérieurs de la piste. Donc te fais pas piéger. Ça se passe pas trop mal pour l'instant, JL. On a commencé une course pluvieuse, on fait face à des conditions climatiques changeantes, mais au Brésil c'est toujours comme ça. Et on essaye de remonter vers la tête de course. Et on est les premiers à tenter le pari des slicks. Eh ben oui. On a vu juste puisque le DRS à partir de maintenant est activé. Ouais. Romain dans les stands. Ça donne quoi tes réserves de carburant là? Bah, je suis repassé en positif mais de pas grand chose donc j'espère que ça va se calmer. Ouais, donc on peut pas utiliser. On peut pas utiliser le... Le mélange riche, non. Non. Il y a que le safety car qui pourrait nous le permettre. Ah,
On était en pôle, JL. Mais bon, on a eu un départ difficile parce qu'on a commencé sous de la forte pluie. Et on a passé très tôt les intermédiaires parce qu'on s'est rendu compte que sous la forte pluie, bah, les silhouettes de Pirelli ne fonctionnaient pas. Et ce qui est comment dire, le plus hilarant dans l'histoire, c'est que même sous la forte pluie, comment dire, les intermédiaires fonctionnent mieux que les foulouettes, quoi. C'est le gag. Mais bon, c'est la Pirelli Qualitech. Et qui c'est que je retrouve juste devant? Bottas et Grosjean. Et qui sont gênés dans le trafic. Il faut en profiter, Angel, pour remonter sur eux parce qu'ils ont encore des pneus froids. Là, c'est bon, ça passe à fond la remontée. Hein. Ouais, l'accélération est un peu compliquée, mais après, c'est bon. Je suis en train de réfléchir et je me dis que si tu gères bien tes pneus, tu pourrais aller jusqu'au bout avec ces médiums. Eh oui, JL Racing, mais le pire, c'est que même dans ce jeu, on rencontre les mêmes problématiques que les pilotes en IRL. Demande à Angel, il va te le confirmer. Ah oui, c'est impressionnant à quel point ils sont allés retranscrire les choses qui se passent dans la vraie vie. Par contre, Pirelli peuvent aller se rhabiller hein, et se refoutre à la table du dessin parce que là, des fouettes aussi merdiques que ça, c'est juste. C'est juste inadmissible. Je rappelle qu'en temps normal, un pneumatique foulouette doit être capable d'évacuer au moins 70 litres d'eau par seconde. Et on est loin du compte. Oui, ben on va espérer effectivement que les médiums vont tenir. Ah, c'est une bonne chose, Bottas est en dur. On va utiliser le DRS pour la première fois dans la course. Ouais. Ça va pas être facile parce que la Williams c'est très rapide en ligne droite, c'est un dragster. Ouais, effectivement, j'ai pas réussi à la dépasser, même au freinage ça a été compliqué. En plus, il avait le DRS. Ouais. Deuxième chance dans l'arrêt à Costa. Je vais reprendre un petit peu de Grosjean au dessert. Oui, mais je t'en prie, vas-y, serre-toi. Attends la remontée toutefois pour pouvoir le dépasser. Et profite du secteur 2 pour te rapprocher de lui. Qu'est-ce que je fais, patron? Et puis on a une Red Bull qui est retardataire. Max Verstappen,
Ça fait de la peine de voir les Red Bull autant, comment dire, à la peine dans cette course. Attention, Bottas revient vite. Hein. Il a passé Verstappen. Verstappen nous a bien fait chier quand même. Ouais, je suis d'accord. Attention de pas trop forcer non plus sur les gommes. Hein. Il va falloir se débarrasser rapidement de Romain. Là, on est bien. Sinon, il y a le dragster Bottas qui va revenir au triple galop. C'est bon. Et là, on va encore avoir le DRS avec le retardataire. Et Hülkenberg. Maintenant, il faut que tu prennes le large et le tout sans trop forcer pour la conduite et sans trop endommager les pneus. Parce qu'on a peut-être une chance de terminer la course avec ces pneus-là. L'ami JL a peut-être raison. On peut peut-être terminer la course avec ces pneus-là. Par contre, pour remonter sur Hamilton, je pense qu'on peut se lever de bonne heure. Hein. Oh, moi, d'une défaillance de la Mercedes, ça m'étonnerait qu'on arrive à le rejoindre. Chose dont je n'y crois absolument pas. Dans la radio que Hamilton risque de rentrer au stand dans les deux prochains tours. C'est très bien ça. Ménage tes pneus, Angel, ménage tes pneus, il faut qu'on finisse la course avec cela. On risque peut-être de souffrir, Dave Drake, mais je pense que c'est un pari qu'il faut tenter. Ton carburant, il donne quoi, Angel, là ? Plus 0,76. Ok. Là, c'est très bien. Là, on était... Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on était, par rapport au carburant, on avait toujours de la marge. Parce qu'on jouait toujours... on rajoutait toujours un ou deux kilos de plus pour jouer la sécurité. Mais là, on est obligé de gérer au litre près. Oui, Guillaume, SNL. Tout à fait. Je pense, ouais.
les pneus peuvent tenir. Non, pas de push, Valentin. Parce que si on push à ce moment-là, on risque de détruire les pneus. Et donc de détruire notre stratégie de course. Assouplis bien ta conduite, Angel. Je sais pas ce qu'il y a... pourquoi il est rentré si tôt, Grosjean. Parce que du coup, il a perdu la troisième marche du podium. Ouais, mais par contre, il va ressortir en soft. Et il va être très rapide sur la fin de course. Donc le temps qu'il va perdre au stand, il peut le rattraper. Ouais, bonne remarque, Dave Drake. Angel. Essaye de freiner un peu plus tôt, d'anticiper tes freinages et de laisser rouler la voiture. D'accord. Ça pourrait te permettre d'économiser les pneus davantage. Ok. Ça devrait pas poser de problème, M, t'as largement un niveau pour le faire. Je vois pas Hamilton s'arrêter cependant. La fenêtre d'arrêt au stand était jusqu'à ce tour. Donc Lewis fait le même choix que nous. Lewis va jusqu'au bout avec ses pneus. Voilà, tout doux, parfait. En souplesse, Angel. De toute façon, Bottas risque pas de te rattraper, il est en dur. Hamilton dans les stands. Ah bah, j'ai parlé un peu trop vite. Décidément, ce soir, t'es pas en forme. Hein. Ok, Angel. Pour économiser de l'essence, il faut que tu passes un petit peu plus tôt tes rapports de boîte. Ah ouais, mais Lewis est ressorti en soft. On va pas le revoir là. Ouais, je sais, Dave Drake, mais Hamilton a des pneus neufs, nous on a des pneus usés. Train avant et à 42 et 45% d'usure, 39 et 38 à l'arrière, donc on est un peu juste au niveau du capital pneu. La puissance du moteur va un peu diminuer, il y a une petite usure. Gros Jean qui est ressorti en médium, qui vient de récupérer la troisième place. Ça c'est curieux, je pensais qu'il serait reparti avec les softs. Bon, Hamilton il est parti, Angel. Hein, on le reverra pas. Bon, dans ces conditions, c'est pas la peine de lutter. On lutte pas à armes égales avec une Mercedes. Hamilton est devant.
T'as combien d'avance sur Romain? Oh, attends, je vais te dire ça. Ouais, dans la remontée, c'est mieux. J'ai 20 secondes. À moins que le chrono est buggé, mais... Non, j'ai vu ça aussi, 20 secondes, effectivement. Carburant, ça donne quoi, là? Plus 0,98. Non, mais je passerai pas le mélange riche, hein. Sinon, là, je pulvérise mes gommes et c'est terminé. Non, non, bien sûr que non. Je pensais exactement la même chose que toi. Il reste 3 tours, on va pas jouer au con, on va rester où on est, sagement. Je pense qu'on aurait des gommes aussi fraîches que Hamilton. Peut-être qu'on aurait pu tenter quelque chose, mais là, non. Alors ouais, Valentin, peut-être qu'on aurait dû mettre les hards, mais je pense que les médiums étaient la bonne monture de gomme pour cette voiture. Et je pense pas qu'Angel me dira le contraire là-dessus. Ah non, les médiums, pour les avoir essayés pour le test d'usure des pneus pendant les essais libres, c'était ceux qui m'avaient le plus convaincu. Et bah là, c'était moi qui ai fait le choix de choisir les médiums pour et ce je relais. Et je te l'ai laissé volontiers. Il y avait deux stratégies possibles. Je pense qu'après, admettons que la pluie se serait arrêtée plus tôt dans la course, là, je pense que on aurait été obligé de mettre les hardes. Mais uniquement dans ce cas-là. Ok, ben on aura un train de pneus qui sera usé autour de 50 et quelques pourcents. Donc c'est parfait. Attention, un peu plus souple, là. Laisse couler en hein, dans les virages. Un petit peu plus à l'intérieur. T'es un petit peu trop large dans Pinheiro. Bien sûr, Davrich, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après, tout dépend des conditions météo qui, notamment au Brésil, sont très changeantes. Et savoir à quel moment mettre les bons pneus au bon moment, c'est très souvent un casse-tête. Et en tant qu'ingénieur, on a aussi besoin du ressenti du pilote. Ouais, bah Angel, je pense que c'est bon, tu peux laisser passer Sébastien. Tranquillou. Effectivement, quand tu donnes cette consigne, je l'avais déjà laissé passer depuis un petit moment. Ouais, après le décalage. Je préfère le redire pour les gens qui reverront le rediff. Il y a, je crois, un petit décalage de quelque chose comme... 10, 15 ou 20 secondes, quelque chose comme ça. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Une bonne quinzaine de secondes, je pense. Entre ce que j'ai moi à l'écran et ce que vous voyez sur le live. Effectivement. Ouais. Et on rentre dans le dernier tour maintenant. Donc on est impeccable au niveau de la gestion des pneus. Et là, on va faire une double tournée. Hein. Ah ouais, là, pour le coup... Avec deux As sur le podium. On l'avait dit, hein, les As qui revivent là, en cette fin de saison et qui donnent vraiment satisfaction. Et là, pour le coup, Grosjean, qui n'a pas eu de chance sur les autres courses, hein, qui a été victime de problèmes avec des accrochages ou autres...
là se retrouve bah, du coup sur la troisième marche du podium. Hein, donc ça c'est vraiment des gros points à porter à l'écurie. Ah, une bonne question là de Valentin. S'il y avait eu que de la météo sec, quelle aurait été la meilleure stratégie de course? Bah, je pense que bah, du coup on serait parti en soft et puis on Bah, aurait passé les hards. ça dépend de la position comment dire que tu occupes sur la grille. Faut savoir quand tu n'as que de la course sur ton sec, il y a un pneu obligatoire à utiliser. Donc tout dépend duquel. Et si t'es pas dans le top 10 en général, vaut mieux éviter d'utiliser le pneu le plus tendre, parce qu'avec le plein d'essence, il s'use plus rapidement. Bravo et félicitations, Angel. Yes. Allez, encore des points. Bon ben, mesdames et messieurs, ce soir, on vous offre encore une tournée générale. Et en plus, un doublé de As à la deuxième et troisième marche du podium. On aurait pu faire mieux qu'uniquement sur une défaillance de la Mercedes. Et ça, fallait pas trop compter dessus. Non, parce que il y a que Lewis qui a été, comment dire, meilleur. Ils ont été plus meilleurs et plus performants que nous. Donc il n'y a que Mercedes qui montre encore une fois qu'ils sont encore au-dessus. Merci les gars pour les compliments sur le chat. Ça a été long hein, cette soirée, on a dû refaire la course, on a été. On était à mi-course quand la première tentative s'est soldée par un cuisant échec. Et voilà, c'était nécessaire de refaire cette course. On a le droit à une deuxième chance et tout le monde apprend ses erreurs. Voilà. Alors du coup, Hamilton qui gagne cette course. On finit deuxième avec Romain troisième. Derrière, on a Bottas. Ensuite Nico Rosberg qui est finalement terminé à la cinquième place, qui n'aura repris que deux places finalement par rapport à la position sur la grille. Raikkonen 6e, 7e Massa, 8e Vettel, 9e Ricciardo, qui partait de fond de grille, hein, ils ont fait une sacrée remontée. On retrouve derrière Perez, Alonso, Arianto, Hülkenberg, Sainz, Verstappen, malheureux aussi lui, qui finit 15e. Il n'aura pas fait une grosse remontée non plus. Button 16e, Kiat 17, 18 Nasser, 19 Wehrlein, 20e Ericsson, Palmer et Magnussen, les deux Renault qui ferment la marche, les deux Renault qui sont vraiment en perdition la plus totale en cette fin de saison. Et donc ben voilà, encore des points récupérés à l'issue de cette course, ce qui nous conforte en tout cas cette cinquième place sur le classement général des pilotes. Et même si on avait démarré en pole, on s'en sort pas trop mal compte tenu des conditions climatiques dans cette course. Et puis c'est de bon augure pour la saison prochaine aussi. Ouais, c'est clair. Et donc on est toujours quatrième. On conforte aussi notre position de quatrième sur le classement général des constructeurs. Derrière Williams, même s'ils sont pas très loin devant, ça semble quand même compliqué d'aller chercher l'écurie de Sir Frank Williams. Ce qui reste une course, hein, il me semble. Ouais, et puis déjà finir à une quatrième place, c'est quand même assez inespéré aussi, hein. Ah oui, tout à fait. Donc voilà cette course qui se termine et donc en même temps ce live. J'espère que vous avez quand même passé une bonne soirée. Désolé une fois de plus hein, pour les problèmes de lag hein, quand il y avait de la pluie. Faudrait que j'arrive à élucider ce mystère. Je sais pas exactement de quoi ça vient. Peut-être que ma carte graphique n'est pas assez puissante malgré tout. Et ça me fait bien chier. Mais j'ai pas le choix pour l'instant. Voilà, ma 970 doit tenir encore le coup pendant quelques temps, et ça me laisse perplexe pour la suite parce que F1 2017 sera forcément peut-être encore un petit peu plus gourmand que F1 2016, donc je sais pas, on verra ce que ça va donner. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout pour ce live. Ouais. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous donne donc rendez-vous samedi soir pour un nouveau live. Cette fois-ci, on découvrira ensemble le nouveau Mass Effect Andromeda. Et ensuite, dimanche soir, en compagnie de Jeff, Depiello et Hydro, pour le débrief du Grand Prix qui aura lieu dimanche matin. Allez, soyez au rendez-vous. À très bientôt. Portez-vous bien. Bonne fin de semaine à tous.
Ciao, ciao. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Ciao. Ah.